je suis venu ici d'abord dans un projet pour participer à un projet de la récréation des Vêpres de Monteverdi qui n'avait jamais été donné à Moscou, donc c'était très émouvant. Nous avons donné ce concert dimanche. Et du coup, du fait de cette proposition et de cette invitation, on m'a également demandé de faire un peu une découverte de la musique française du XVIIe siècle. Moi, je suis issu d'une culture baroque. Aussi, je suis chanteur classique, je chante différents types de musique. Mais c'est vrai que mon parcours musical a été vraiment sur la connaissance et la reconnaissance de la musique baroque. Et là, l'invitation, c'était de présenter et défendre, le mot n'est peut-être pas très juste, mais enfin, voilà, c'est de présenter et de faire connaître notre musique française du XVIIe siècle, qui est un de nos grands moments culturels, comme beaucoup d'autres, mais voilà, qui est peut-être moins connu que certains autres chez nous, notamment en termes de littérature, mais qui est pour moi très important, et donc je suis très heureux d'être ici pour passer cette culture-là. Voilà. Oui, c'est la culture, elle est ici en fait. 1, 2, d'ailleurs, vous le savez. On peut reprendre ici ? Puisque vous craignez de la. Donc c'est maintenant le quatrième festival La Renaissance qu'on fait ici à Moscou. Et moi je suis russe, donc je parle français pas trop bien, mais quand même. Et donc c'est grâce à l'Institut français à Moscou et l'ambassade de France qui nous aide d'inviter chaque an les musiciens de France. Et c'est la première fois maintenant que c'était toujours seulement les instrumentistes qui avaient présenté les instruments très rares qui ne sont pas déjà connus à Russie, comme cornet à bouquin, sakbout. Maintenant, on joue tous ces instruments grâce à eux parce que c'était les masterclass avec les concerts et tout ça. Et maintenant, c'est la première fois un chanteur, Jean-François Novelli, qui nous donne son expérience et ses connaissances de la musique française de XVIIe siècle qui est vraiment pas très connue ici. Cet répertoire air de cour, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Depending on which way you push.